pour savoir ce qui sera enseigné. Donc, on doit faire un portrait de nos élèves, un portrait qui nous aidera à déterminer les habiletés à enseigner, parce que vous voyez que ça part de loin, là, lecture orale de chaîne de lettres, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos élèves, mais à partir aussi de quel texte on va enseigner? Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait besoin d'un outil diagnostique et nous avons trouvé, tout fait, le test ROC. Alors, ce test-là, comporte deux épreuves de groupe. Alors, deux épreuves de groupe, écrites, dirons-nous, en jugement orthographique et dictée. Il y avait une forte corrélation entre la capacité de repérage d'erreurs, de l'écrit en fait, le repérage d'erreurs et la dictée. Ça amène il y a une forte corrélation avec cette réussite-là par rapport à la lecture. Donc, les deux épreuves, jugement orthographique et dictée, il y a un score qui est donné à chacune des épreuves. Et dépendant du score qu'on obtient, on en a une troisième qui est individuelle, celle-là, et qui s'appelle le MCLM, mots correctement lus par minute. Alors, selon le score obtenu, on verra le niveau scolaire des élèves, tout ça ensemble, et on aura des pistes pour travailler les connaissances de base déficientes, entre autres la fluidité. Le MCLM là, va nous donner beaucoup d'indications pour la fluidité. Et cet outil est disponible là, dans Internet et le document L'usage des enseignants, qui vient avec le document, va vous donner toutes les informations utiles et toutes les explications pour la passation de l'épreuve, ainsi que le calcul des scores. Par ailleurs, comme il s'agit d'une épreuve qui est élaborée en France, il faudra vérifier les équivalences de niveau scolaire France-Québec. Et ça aussi, on a placé dans la bibliographie ou webographie les liens utiles pour faire ce parallèle-là. Le test part, on commence à tester des élèves de cinquième année du primaire au Québec. Donc, en FBC, ça donne la fin du présecondaire. On peut établir des scores pour ces niveaux-là. Donc, c'est ça. Vous pourrez aller voir la correspondance entre les deux systèmes scolaires. Maintenant, pour que vous fassiez une idée, hein, c'est très, très rapide, très rapidement dit, on va aller voir la vidéo du test ROC. Vous allez voir chacune des épreuves, comment ça se passe pour vrai en classe. Le ROC est un test, il y a trois parties. Il y a deux parties qui sont collectives que nous allons passer ensemble. Et la dernière partie, c'est individuelle. Donc, c'est seul avec moi que vous allez la passer. La première partie du test est un test de jugement orthographique. C'est écrit. La personne qui a tapé le texte a commis des erreurs d'orthographe. Elle a besoin de ton aide car elle n'arrive pas à les trouver. Peux-tu les souligner et les corriger juste en dessous? Si vous regardez l'exemple, c'est écrit « La maison est jolie ». De ton aide, car elle n'arrive pas à les trouver. Peux-tu les souligner et les corriger juste en dessous? Je vous donne un écrit « maison » en français. Donc, l'exemple que vous devez suivre, vous soulignez l'erreur que vous trouvez et vous corrigez en dessous. En dessous. Pas au-dessus. En effet, vous avez 5 minutes pour faire. Vous n'avez le droit à rien pour faire ça, sauf votre tête. Pas d'échelle, pas de dictionnaire, pas de voisin. Vous pouvez commencer, vous avez 5 minutes. La deuxième partie, c'est une dictée. Je vais vous lire une dictée. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire.
D'un gentil petit garçon. Un garçon qui s'appelle Joe. Je vous donne son prénom. OK? Il s'appelle Joe. Dans un bourg. Point. Tu vas me lire normalement. Ce n'est pas une course. Okay? Je ne veux pas que tu t'énerves et que tu te dises je vais lire vite, vite, vite. Ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, moi, je vais regarder le nombre de mots que tu vas lire pendant une minute. Je vais calculer une minute et après une minute, je vais te demander d'arrêter et c'est terminé. OK? C'est la partie la plus facile du test. Ça va? Oui? Tu peux commencer, vas-y. Le roi Eldonar, ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les filles. Il les aime tant qu'il prenait la main de sa fille à qui lui apportera le meilleur figue d'eau. Les garçons pensent que la vieille est trop curieuse et se mêle de ce qui ne le regarde pas. Je crois dans mon premier, répond-il grossièrement. Ah bien, bonne chance, John. Arrête, s'il te plaît. Les gourmands, ce qu'ils aiment le plus au monde, ce sont les fugues et ils les aiment tant qu'ils permettent le matin de sa fille. À qui lui permettra le meilleur fuge du royaume. La nouvelle, cependant, a parvenu au réveil d'un brave paysan qui, justement, cultive des fuges avec l'aide de ses trois fils. Celui-ci lui demande « Que portes-tu dans ton panier, le jeune homme ?» Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêle de ce qu'il ne le regarde. Tu peux arrêter ici. Oui. Vas-y, comment? Le roi est gourmand. Ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les filles des figues avec l'aide de ses trois fils. En chemin, il rencontre une vieille femme. Celle-ci lui demande « Que portes-tu dans ton panier, jeune homme ?» Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêle de ce qui ne la regarde pas. « J'ai des crottes dans mon panier, » répond-il grossièrement. « Ah bien, bonne chance, jeune homme. » Le garçon arrive. Arrête ici, s'il te plaît. C'est terminé. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu toutes sortes de difficultés que les élèves peuvent éprouver à partir de ce test-là. En fait, la dernière n'aurait pas dû passer le test de mots correctement lus par minute parce que sa fluidité est bonne. Probablement qu'elle a besoin de travailler davantage en compréhension. Vous avez eu d'autres élèves là, qui avaient toutes sortes d'autres difficultés. Alors, ce dont je vais vous parler aussi, c'est la même université, un groupe de recherche qui, suite à ces résultats-là, à cette recherche-là, ont mis en place un programme d'entraînement pour pallier les difficultés des élèves. Alors, il s'agit de la quête Pouget et Zorman du laboratoire Cogniscience. Alors, l'entraînement, le programme d'entraînement qu'ils ont mis en place s'adressait à des élèves de 6e en France. L'entraînement suggéré était de 3 fois par semaine pendant 8 semaines et à chaque semaine, on abordait un texte nouveau. Mais avant de passer aux 3 sessions d'entraînement, l'entraînement peut se faire par des pairs ou par des tuteurs, pas forcément l'enseignant dans ce contexte-là. Mais c'est ça, avant de passer aux trois sessions d'entraînement, ou 3 plages d'entraînement, on levait toutes les difficultés de compréhension qui pouvaient surgir sur ces textes-là. Alors, pour penser à un entraînement, il ne faut pas qu'il y ait aucune difficulté de compréhension sur le texte lu. Et finalement, cet entraînement-là a permis à ses élèves un gain d'une année d'âge lexique en 6 mois d'entraînement. Alors, c'est efficace. C'est vraiment efficace de lire à haute voix avec un groupe, avec un tuteur. C'est vraiment très efficace. OK, donc ce qu'on a compris, c'est qu'on travaille d'abord la fluidité, mais comment on peut amener les élèves à développer cette fluidité? Alors, pour développer la fluidité, ce qui est suggéré, c'est d'utiliser des techniques d'enseignement, entre autres celles, nous,
qu'on a mise de l'avant ou en tout cas qu'on a privilégiée, c'est la lecture partagée parce qu'elle permet d'intégrer les savoirs qui nous ramènent aux habiletés de base. Donc, on va regarder ensemble une petite vidéo aussi de comment ça se passe, une séance de lecture partagée. Il y a un document qui va être disponible aussi sur les autres techniques qui vous apparaissent maintenant à l'écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est une présentation de la lecture partagée, mais où on peut travailler en lecture guidée, en lecture à l'unisson, hein, si on fait de l'entraînement tel que proposé par le groupe Cogniscience. On peut, dans certains cas, travailler avec la lecture orale assistée d'un enregistrement, si on travaille en individuel. Ça peut être intéressant aussi. Il faut aussi s'être assuré d'avoir levé les difficultés du texte, par contre. Lecture en duo ou tutorat. Et on peut faire pour certains élèves qui ont du mal à regrouper de la lecture prosodique et de la lecture par syntagme. Puis là, on pourra voir différentes modalités pour ces techniques de lecture-là. Mais ce qu'on va vous présenter, c'est la lecture partagée. L'avantage, c'est qu'elle peut se faire en grand groupe, ou en tout cas, on peut mettre ensemble à partir du portrait qu'on a fait des élèves qui ont des difficultés semblables. Lecture partagée, de toutes sortes de techniques en lecture, ça c'en est une. C'est la gang qui s'entraîne, qui réussit à faire une belle lecture de groupe. Quand vous lisez un texte, si vous ne vous demandez pas avant de lire votre texte, on a parlé du survol la semaine dernière, hein? Vous regardez ce que le texte vous donne en gros. Mais c'est important aussi de dire, moi là, est-ce que je sais des choses sur ce sujet? Je vais vous lire un texte une première fois, je vais vous le montrer à l'écran. Donc, vous allez me voir le lire et on va discuter de certains mots difficiles que vous n'auriez pas compris dans le texte ou de certaines notions importantes qu'on doit comprendre pour aller plus loin dans le texte. Et après, on va lire le texte, je vais vous donner un modèle, on va lire le texte en le segmentant et en respectant les ponctuations, les virgules et les points, puis en respectant les petits mots qui attachent les idées ensemble. Comme le et, hein? Si je mets un et entre deux idées, est-ce Mais que je fais avec ce sinon, petit et-là? mais et ça, comme ça remplace une virgule. Ça peut remplacer la virgule. Mais Puis c'est qu'est-ce pour que ça dit spécifier. à mon lecteur quand je Ben, mets des et? ça veut dire que tu ajoutes un autre nom. J'ajoute une nouvelle information. Du coup, on va avoir bien compris tout notre texte, on va avoir nettoyé toutes les choses qui nous embêtent dans le texte. Je vais vous donner des modèles de lecture en respectant la segmentation et les virgules. Et vous allez me suivre tranquillement. La première fois, je vais vous faire le modèle toute seule. Je vais attirer votre attention sur les indices importants. Puis le but de l'activité, c'est de lire ensemble ce texte de façon fluide. Fluidité, c'est quand ça coule bien. Si je dis juste restaurant avec. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. Avec ou sans avec? C'est pas fluide. Mais si je dis, hier, ils sont allés au restaurant avec leur fils. Voyez-vous là que je viens d'augmenter ma vitesse de lecture et je viens aussi de comprendre ce qu'il y a dans chaque segment. C'est pour ça que j'appelle ça un segment. Je veux dire, c'est comme la folklore, ça vient de notre pays, comme les gens Voilà. qui dansent avec les robes, là, tu comprends? Voilà. C'est notre patrimoine Voilà. culturel. On vous parle de patrimoine, c'est tout ce qu'on a dans patrimoine. Vous avez le père, pater. Vous avez tout le regroupement de la culture d'un peuple. Parce que dans le texte, on va vous parler d'un patrimoine culturel, donc c'est tout le bagage d'un peuple, OK? Attends. Alors, Pierre-Olivier vous dit que ces gens-là à qui il parle, ils sont membres de l'Alliance pour les droits des créateurs. Alors, ils font des pressions pour protéger le patrimoine culturel. On a parlé tantôt du patrimoine culturel, qu'est-ce que c'était? Alors, on fait des pressions pour protéger ça, ce qu'on a accumulé dans notre culture. Ici, on parle des droits des créateurs. L'importance des droits d'auteur, l'importance des droits d'auteur. De nos jours, le phénomène du piratage
est de plus en plus présent. Bien des gens sont touchés par ce phénomène et désirent que le téléchargement illégal disparaisse. De nos jours, le phénomène du piratage est de plus en plus présent. Dans le texte qui suit, j'insisterai sur le fait que le piratage prive les artistes et les intervenants. Les virgules étaient là sur l'autre texte. Ce que vous avez de différent ici, c'est que vous avez vos petites flèches. Vous voyez qu'il y a des petites flèches qui montent, puis il y a des petites flèches qui descendent. Bon, gardez-moi bien, OK? Je vais leur lire, puis vous me direz après à quoi servent les petites flèches, OK? Serena, veux-tu attendre un peu? Oui, c'est bon. Vérifie ton hypothèse, OK? D'une partie de leur salaire et que les activités illégales représentent un facteur déterminant dans le succès ou l'insuccès d'un artiste. OK. Puis à chaque fois que tu lis, parce que je vois maintenant quand tu as lu, et puis quand tu arrives au bout d'une flèche, et puis tu montes, puis tu descends, ça donne le temps aux phrases que tu lis. Quand vous avez des petites flèches comme ça, ça dit, alors regardez quand elles sont basses, j'ai un point, ici, ces petits mots-là, là, vous donnez un choix. Ici, on dit soit ça va être le succès, ou bien ça va être l'insuccès de l'artiste. Et là, j'ai mon point ici aussi qui m'indique que faut que je coupe un segment là absolument, j'ai un point. OK? Plusieurs personnes comme vous et mesdames et messieurs qui est membre de l'Alliance pour les droits des créateurs font des réflexions pour protéger le développement culturel. De nos jours, le phénomène du piratage est de plus en plus présent. Bien des gens sont touchés par ce phénomène et désirent que le téléchargement illégal disparaisse. Alors, comme vous avez peut-être remarqué, l'enseignante intègre beaucoup de savoir à sa leçon. Alors, du traitement de vocabulaire orthographique, par exemple, la dérivation, patrie, patrimoine, elle fait le lien avec pater, le père, au niveau du rythme, de l'intonation, de la grammaire de la phrase. Elle a parlé de segments, on aurait pu parler de constituants de la phrase aussi. Les regroupements à faire à l'intérieur de la phrase, la ponctuation, la coordination. Et sur le plan des stratégies, elle a amené les élèves à clarifier certains éléments. Elle les amène à faire des liens, etc. Alors, vous voyez que c'est la lecture partagée permet de mettre en action les différentes habiletés, ou en tout cas d'amener les élèves à améliorer ces habiletés-là de différentes façons, dépendant du texte qu'on aborde, dépendant de où sont les élèves, on travaille différents éléments. Et ce qui est important aussi en lecture partagée, l'élève n'a pas le texte devant lui. On fait travailler en groupe pour que toute leur attention soit en même temps au même endroit. Alors, permets-moi encore de résumer. En fait, une fois qu'on a le portrait de nos élèves, on utilise par exemple la lecture partagée pour amener les élèves à lire avec fluidité puis avec aisance. Puis, on en profite pour parler du vocabulaire, de la grammaire, de la phrase et du texte. Et enfin, d'amener les élèves à avoir une meilleure compréhension du texte. La lecture partagée permet un enseignement donc explicite de beaucoup d'habiletés de base, hein, comme vous avez pu le voir, qui sont plus ou moins intégrées par nos élèves. Ça dépend toujours où on les prend. La lecture partagée permet également de donner aux élèves un modèle de lecteur, ce qui est très important. Quand on fait de la lecture partagée, il faut s'assurer qu'on rend visible nos processus de lecteur compétent. C'est ce qui est important, qu'ils nous voient faire. Comment on fait? Elle est allée, moi, ça me fait, pour le patrimoine, par exemple, comment elle a utilisé ses processus à elle. Donc, rendre les processus apparents.
Lorsque c'est possible, on peut demander à un collègue ou à un membre du personnel du centre de venir faire une lecture, peut-être pas toute la séance de lecture partagée, mais au moins une première lecture. Puis si la personne est d'accord, de montrer aussi ses processus. Évidemment, les processus de lecteurs compétents ne sont pas si éloignés les uns des autres, c'est clair. Mais d'avoir des modèles différents, moi, ce que j'appelle la petite musique du français, là, certains élèves ne l'ont pas, bien, d'entendre quelqu'un l'interpréter autrement, même si les processus sont les mêmes, ça peut aider les élèves à avoir une meilleure prise sur leur propre processus. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent quel processus ils utilisent ou n'utilisent pas et qu'ils les mettent en action pour devenir de meilleurs lecteurs.